Allez, c'est parti pour la salle. Madame Juste. Monsieur Hernaud. Monsieur Yvali. Monsieur Arbola. Monsieur Hazard. Présent. Monsieur Latibi. Monsieur Moral. Présent. Madame Elsama. Monsieur Lesnaïkou. Madame Elfi. Présent. Madame Cordier. Madame Angio. Monsieur Latilo. Présent. Madame Devoir. Présent. Monsieur Lehal. Pouvoir, Monsieur Biron. Madame Laval. Mademoiselle Dino Serra, pouvoir Monsieur Roval, Monsieur Bidezer, Mme Juillet, Mme Farkas, et pardon, pouvoir à Mme Sica. Madame Diallo, pouvoir Monsieur Bidezer, Monsieur Garcia, pouvoir Mme Juillet, Monsieur Georgi, Madame Grac, Mme Larouche, Monsieur Hazard, Madame Pantalia, Monsieur Abdébian, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Lamy, Monsieur Major, Monsieur Marchal, Monsieur Marie, Madame Masse, Monsieur Maury, Monsieur Miron, Monsieur Monti, Madame Moussakia, Madame Patrici, pouvoir Madame Lamy, Madame Consiramat, Monsieur Rabia. Présent. Madame Rampal. Excusez. Monsieur Rabier. Madame Rivière. Pouvoir Madame Angio. Madame Rodriguez. Présent. Madame Sica. Monsieur Vambon. Bien. Merci Monsieur le maire, c'est mes chers collègues. Monsieur le maire, je vous fais pas honte, si vous permettez, je vais juste prendre un passage du dernier contrat de jus. Nous suivons une délibération de la 15-15 de cette pièce. J'avais exprimé que le groupe de Républicains du pays votait pour, mais on vous demandait quelques explications. Et vous m'aviez, donc je cite, rappelé que vous étiez très à cheval sur le bon déroulement des choses, et les explications que vous demandiez qui sont légitimes nous seront fournies par le service sport et le groupe d'animation. Cela me de Mme Walker, quand il n'est pas nécessaire de rappeler tous les professionnalistes de la maîtrise de ce domaine. Donc elle saura vous répondre très rapidement, je suis convaincu. Nous avons négocié l'arrondissement il y a un peu plus de 3 mois. J'ai appelé à plusieurs reprises, j'ai fait des écrits, notamment à responsable. Et sans critiquer le professionnalisme dans les secteurs, je n'ai toujours aucun élément de réponse. Donc je finis par me demander que le vainqueur professionnalisme dans les secteurs, je ne doute pas, c'est donc que vous avez intérêt d'autorité envers vous. Puisque je n'ai toujours pas de réponse depuis 3 mois. Merci Monsieur le maire, si vous avez parlé, ça touche. Alors investir dans des... Si on se passait de micro... Non. Monsieur Marie, je vous en prie. Je tente avec le micro. Je souviens que j'ai relu attentivement aussi le compte rendu et j'ai trouvé la page 12 une exactitude. Au niveau de la page 12, vous indiquez, en réponse à Monsieur Joshua, vous comprenez le bon vieux temps des années 30, vous avez dit que la loi doit être bien pouvoir en achat des biens. Alors, ce maire, je m'excuse, mais je n'ai pas d'autre à l'histoire comme vous, donc je voulais simplement établir une vérité, puisqu'on ne peut pas laisser dans un compte rendu officiel, dans conseil municipal, une telle inexactitude. Donc, je rappellerai que si l'Assemblée nationale a voté les biens pouvoir en achat, 569 pour et 80 contre, les députés socialistes, SFIO à l'époque, 5 tirs à 22 d'abord sur 400, ensuite parmi les présents, 90 sont votés pour, 90 sur 569, je dirais que c'est donc pas une majorité, ça représente simplement 15% de l'ensemble des droits en faveur de l'achat des biens, le reste venant surtout de la droite.
Ensuite, parmi les 80 parlementaires qui ont été grands, on trouve 36 élus de la SFIO, 6 d'entre eux se sont abstenus. Donc, au total, sans que les comptes, un tiers des élus socialistes ont refusé et qu'un grand on a chaque éteint. Donc, on peut considérer que la SFIO a finalement le taux de résistance le plus important parmi les partis représentés à l'époque au sein de l'Assemblée. Donc, l'argument de dire que c'est la chambre du Front populaire qui a installé l'origine de Vichy, une vieille lutte de l'extrême droite française, tout au long des années 50, il y a cette idée que la responsabilité des crimes de Vichy est partagée avec la gauche. Une partie de la gauche française est effectivement responsable de la situation de 1940, mais fondamentalement, cette origine de Vichy, c'est l'origine de l'extrême droite, et on est clairement sur les idées noircières. Voilà, je cite un historien, je ne sais pas comment je vais dire, pour la soirée comme vous. Donc, je cite un historien pour établir une vérité, pour que dans le prochain compte rendu, on puisse réaliser que c'est les socialistes qui ont été les plus grands à la présidente. Merci, monsieur le maire, pour votre attention. Bien, monsieur Marie. Vous avez une maîtrise de la théorie de la relativité, en parlant d'ailleurs de résistance. À cette démarche qui a constitué à accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain après être allé le chercher en Espagne, croix où il a été envoyé par le Front populaire pour être l'ambassadeur de France. Et deux tiers des socialistes, quand même, vous vous caractérisez d'avoir résisté, mais vous avez résisté mollement quand même. Et même pas de façon majoritaire, à partir d'une chambre issue du Front populaire, et pas du Front national, du Front populaire. Et cette première démarche, assumée, si vous n'assumez plus, mais assumée à l'époque par la gauche et une certaine partie de la droite bleu-azur, et pas bleu-marine, eh bien, c'est à vous de l'assumer et pas à moi. Parce qu'il y a eu cette première démarche, que d'aller chercher le héros de Verdun, et puis il y a eu la collaboration elle-même, pendant 5 ans. Et messieurs Déa, Doriot et Laval, pour ne citer qu'eux, ne sont pas issus des mouvements d'extrême droite. Ils sont issus du Parti Socialiste, de la SFIO, voire du Parti Communiste. Monsieur Laval, oui, madame Marie-Antoine Amiard, relisez. L'histoire, je dis bien l'histoire, pas les petites histoires rédigées par professeurs du parti, mais celles et ceux qui ont une vision neutre et non pas politique de cette triste, sinistre période, et pour laquelle moi je ne me sens d'aucune responsabilité. Encore une fois, la collaboration, elle a été faite dans des conditions extrêmement compliquées et à laquelle vous avez, vos amis, ont participé jusqu'au bout, y compris dans les situations les plus condamnables, par des représentants officiels de la gauche et pas les moindres. Alors aujourd'hui, vous avez un certain culot. En affirmant que vous avez eu un taux de résistance qui vous laverait de toute infamie, et bien cette infamie, monsieur Marie, et bien votre formation politique, cette flétrissure, c'est vous qui l'avez portée. Ce n'est pas mon mouvement politique, qui est né d'ailleurs bien après la guerre, c'est vous qui l'avez portée, c'est vous qui avez collaboré en majeure partie, en écrasante partie. Et, monsieur Joshua, j'avais oublié d'ailleurs dans mon intervention, allez-y, monsieur Mitterrand quand même, ça je ne l'ai pas oublié, mais je le vois sous mes yeux, sur le compte rendu, monsieur Mitterrand, que l'on voudrait nous faire passer pour le plus grand des hommes, pour un humaniste, à l'époque, issu d'un mouvement d'extrême droite et de la Kaboul, je crois, et qui a été décoré de l'ordre le plus prestigieux, le plus élevé plutôt. Le mot prestigieux n'est pas opportun. La décoration la plus importante du régime de Vichy, qui
qui fut celle de la Francisque, pour être décoré de la Francisque, il fallait être parrainé par deux collaborateurs du régime. Et M. Mitterrand a reçu cette décoration. Ce n'est pas un responsable du Front National qui a reçu. Il n'y a jamais eu au Front National de décoré de la Francisque. Et encore une fois, ce n'est pas à la table d'un responsable du Front National que M. Bousquet, de sinistre mémoire, est venu dîner, déjeuner ou souper à plusieurs reprises. C'est à la table de M. Mitterrand. Bon, j'avais oublié, si le général de Gaulle a préféré résister à Londres, il en est un autre qui a préféré résister à Moscou, à la personne de M. Thorez, que M. de Gaulle nommera comme ministre à la fin de la guerre, alors qu'il aurait dû être jugé pour trahison. Alors dans ces conditions, c'est vrai que lorsqu'on résiste de Moscou, quand on est à Londres, finalement on est dans la tranche banlieue parisienne. Mais nous n'avons pas de leçon à recevoir de vous dans ce domaine-là. Depuis 70 ans, vous écrivez l'histoire comme cela vous arrange, comme vous voudriez qu'elle soit apprise par cœur et récitée matin, midi et soir, du 1er janvier au 31 décembre, par les petits écoliers de France. Vos histoires sont celles que vous colportez. L'histoire, c'est autre chose. Les faits sont têtus, n'est-ce pas, comme disait le camarade Lénine. Les faits sont têtus, et les faits sont cela. Il faudra un jour que vous les assumiez, et pas de mieux. Un jour peut-être qu'il y ait un Nuremberg des collabos de la gauche, car il y a depuis 70 ans effectivement des gens qui mériteraient de rendre et qui devraient rendre des comptes, et qui pourtant, on attribue des noms de rues, des noms de bibliothèques nationales. Eh bien c'est cela qu'il faut regarder, et pas celles et ceux qui n'ont absolument rien à se reprocher dans cette triste et sinistre période. Monsieur Joshua, donc j'en puisse répondre à monsieur. D'autres niveaux, dans cette Front National, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Le Front National a été fondé par des hommes venus de tous horizons, y compris par par le successeur de Jean Moulin, par des résistants, par des hommes et des femmes de bonne volonté qui voulaient et qui veulent toujours rassembler les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ils soient, quel que fût leur parcours, dans l'intérêt supérieur de la nation et des citoyens français, d'où qu'ils viennent. Voilà, c'est ça notre combat qui est né en 1973. Et moi, je suis né en 1969, l'année de l'amour, comment peut-on me reprocher d'être porteur de haine? L'année où vous décrochez la lune. Camarade Joshua. Monsieur le maire, je vous remercie de ces précisions. Je vais vous apporter quelques autres. D'abord, vous confirmez que les informations, toutes les informations que vous avez données sont justes, mais incompréhensibles. Alors, si vous me permettez, déjà, rappelez-vous que dans la Chambre du Front Populaire, on a voté plein de pouvoir en matière d'État, et les élus communistes en avaient été exclus. Chose que, semble-t-il, vous ne savez pas, ou vous ne voulez pas savoir. Je suis d'autant plus placé pour en parler, parce que peut-être que vous oubliez ça quand vous me parlez à moi, que je ne suis pas de cette déviation. Je ne suis pas de la déviation communiste, Thorez et Staline. Mais je suis obligé de reconnaître que ces députés-là n'étaient pas en mesure de donner un quelconque avis, ils en avaient été exclus. Mais ce n'est pas ça le principal, monsieur le maire, parce que vous avez noté tous les gens de gauche qui avaient trahi et soutenu la collaboration. Et la liste n'est pas terminée, elle peut encore être bien plus importante. Et comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de gens de gauche qui ont été en résistance. Évidemment, mais c'est pas ça que vous avez dit. Donc, en un qui est un ennemi personnel, mais dont on ne peut pas contester qu'il y a de la résistance, il y a son devoir. C'est quelque chose que tout le monde sait ici, d'une manière évidente. Mais la question n'est pas celle-là, monsieur le maire, elle est double, je ne veux pas être très long. Premièrement, comme il y a des gens de gauche qui ont été collaborateurs, il y a des gens de droite qui sont passés dans la résistance. Il y avait donc un choix qui était possible, même pour des gens de droite. De Gaulle, qui vient de l'Action française quand même, initialement, qui a fait cette résistance. Donc c'est plus possible, quand on était de droite, de ne pas soutenir le marché de Pétain et d'entrer dans la résistance. Et maintenant, qui vous parlera, monsieur le maire, peut-être pas à tout le monde, mais à nous, c'est sûr,
le colonel de la banque, le responsable des croix de feu, celui-là même qui était dans la sédition et les meutes en 34 pour abattre la République, il a été dans la résistance. Comme quoi c'était possible? Ce qui est difficile à savoir, c'est ce que chante Goldman dans une chanson. Qu'aurions-nous fait à cette époque? C'est pas évident. Lui-même, j'en savais. Nous avons raison, M. le juge. Il faut regarder. Mais on ne parle pas d'histoire, monsieur le maire. On parle de maintenant. Et c'est aujourd'hui que quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen ose dire qu'il ouvre le marché de Pétain. On ne parle pas de l'histoire, où c'est compliqué, où c'est pas évident. Moi-même, je suis né en 46, c'est ce que j'aurais fait. Je suis juif. On peut supposer que je ne serais probablement pas soutenu. Mais il y a des juifs qui ont tenté la collaboration. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai, tout ça est vrai. Mais on est aujourd'hui. Et on sait tout ça, on sait ce qui s'est passé. Et dans ces conditions-là, qu'un responsable politique ose écrire que oui, il aime le maréchal Pétain et que vous ne le condamniez pas, j'avais dit ça. C'est ça. Écoutez, c'est l'interview de Jean-Marie Le Pen qui dit clairement, et puis il y a une autre qui vient de dire que la République, malgré tout, elle s'en va d'ailleurs, elle vient de dire, votre futur chef, tête de liste à la régionale, aux élections régionales, vient d'écrire là tout récemment, que finalement la République. C'est pas pour elle. Moi, j'ai des critiques aussi à faire à la République, manifestement, ce ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, si on discute d'histoire, discutons l'histoire, c'est compliqué, d'accord, répétons, fermons la parenthèse. On discute de maintenant. Et la question qui nous a été posée, elle n'a pas répondu à ce moment-là, monsieur le maire, je me la repose, on va passer tout le conseil là-dessus. Est-ce que oui ou non, vous maintenant, est-ce que vous pensez que Pétain était un collaborateur et que la République a une raison de le condamner à la condamnation qu'il a eue? C'est une question extrêmement simple. Vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, tout le monde se fait son opinion, mais ce n'est pas la peine de raconter l'histoire. C'est aujourd'hui que la question se pose. Et comme vous le savez peut-être, c'est aussi un certain nombre de personnes, des historiens très célèbres, qui vous expliquent ce que vous nous direz. Les vérités historiques ne sont jamais éternelles. Ils dépendent de beaucoup de choses. Et quand on discute l'histoire, on ne discute pas du passé. On discute du présent. Et le présent, il est très simple. Est-ce que oui ou non, on est pour cette République? Est-ce que oui ou non, on est pour le principe républicain? Est-ce que oui ou non, on est pour Pétain? Vous pouvez ne pas vouloir répondre à cette question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne peut rien. Peut-être que ça intéresserait les électeurs, probablement, on avait déjà dit ça. C'est vrai, c'est tout à fait probable, mais moi, je pense que c'est une question fondamentale, décisive pour la République. Nous sommes déjà à un gros quart d'heure de ce conseil d'arrondissement du 25 juin 2015 a évoqué ce qui s'est passé il y a plus de 70 ans. Ça est une obsession maladive chez certains, parce que comme je l'avais quand même souligné, monsieur Joshua, les habitants des 13e et 14e arrondissements souhaitent savoir ce que nous allons faire tous collectivement, je l'espère, pour leur présent et leur avenir, et pas pour savoir qui est responsable de ce qui a été fait il y a 70 ans. Pour celles et ceux qui souhaitent se faire un avis, ils n'ont qu'à allumer leur poste de télévision, on en parle tous les jours que Dieu fait. Si je puis m'exprimer ainsi dans une enceinte républicaine. On peut avoir une chaîne Histoire qui martèle du matin au soir. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des reportages, des témoignages, des rétrospectives sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous allez à chaque conseil d'arrondissement me demander à moi ce que j'aurais fait, qui je soutiens, qui je ne soutiens pas, sur ce qui s'est passé, il y aura bientôt un siècle. Est-ce que vous avez posé la question à M. Mitterrand? Est-ce que vous avez posé la question à M. Papon? Est-ce que vous avez posé la question à M. Bousquet? Vous me posez la question à moi et à d'autres membres du Front National qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit. Il faut que je passe... non pas à la question, mais à l'interrogatoire. Nous ne sommes pas à Moscou, monsieur Joshua. Dans les années, nous vous regrettez sans doute. Nous avons encore la liberté de parole et la liberté de penser très surveillée, de plus en plus surveillée sous Big Brother, devenu Big Manuel, qui n'en finit pas de réduire les libertés publiques et les libertés individuelles avec ces dernières lois sur le renseignement. Alors au lieu de me
j'aurais fait, eh bien, replongez-vous dans les livres et vous saurez que, vous avez, que dans les années 30, eh bien, on a fait les mauvais choix. On a cru que tout le monde il était beau, que tout le monde il était gentil. Et le Front Populaire a estimé qu'il était temps de désarmer, que l'on pouvait réduire les budgets militaires. Et c'est ce que le Front Populaire a fait, et c'est ce qu'il a clamé à l'Assemblée nationale en disant qu'il en était fier. Et on s'est retrouvé face à, au pan-germanisme, au national-socialisme d'Adolf Hitler, que certains ont dénoncé à l'époque, mais que le Front Populaire, encore une fois, n'a pas voulu entendre verser d'humanisme et de pacifisme. Elle est là, la responsabilité. Après de savoir qui, que fait-on, vous voyez que cette très belle chanson de Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que nous aurions fait à cette époque quand tu avais la Wehrmacht sous ses fenêtres, quand on déportait sa famille et quand il fallait la nourrir. Certains ont préféré même aller jusqu'à accepter volontairement le STO pour nourrir leur famille, comme un certain Georges Marchais. Alors ne venez pas de me demander de m'expliquer encore une fois sur une période bien lointaine à laquelle je n'ai pas participé. Il y a pas si longtemps, il y avait encore des témoins et des acteurs de cette époque-là, et vous vous êtes bien gardés de les questionner, parce que vous travaillez avec eux main dans la main, en parfaite collaboration. J'ai dit. Monsieur Renaud. Je pensais pouvoir faire court, mais c'est une obsession. Quand on n'a rien à proposer pour l'avenir, comme la gauche et son extrême flanqué de son extrême gauche se trouve dans cette situation, alors on ressasse les événements du passé en les présentant une fois de plus de façon tronquée. Alors je suis obligé comme je vais enfin vous répondre. Vous m'avez donc interpellé au cours du dernier conseil d'arrondissement sur l'association Challenge Boxing. Vous avez émis l'idée qu'il y aurait une zone d'ombre, des doutes, alors même jusqu'à évoquer le lien de parenté entre la présidente. Non, mais puisque vous êtes cru obligé de le faire, madame. Oui, non, pourtant vous avez exprimé. Et puis vous avez écrit, il est vrai, puisque ma réponse ne venant pas, vous avez écrit à madame la directrice générale des services, pour lui faire savoir que vous étiez impatient de connaître cette réponse. Alors j'ai jugé utile et plus pertinent de vous répondre au conseil d'arrondissement, puisque c'était au conseil d'arrondissement que vous m'aviez interrogé. Vous semble que la convention d'objectifs que nous avons reconduite la fois dernière était la même que celle qui avait été votée en 2008 et la première fois en 2008 à l'unanimité des groupes présenté par mon prédécesseur, M. Osépian, celui-ci demandant bien sûr à chacun des groupes, enfin, moi j'étais seul, mais moi j'ai voté pour, et le groupe UMP a voté pour, sous la houlette, oui, mais enfin, vous êtes solidaire, M. Piron, à moins que vous vous désolidarisiez. Je fais un bref retour en arrière pour vous rappeler justement comment a évolué, si ce dossier a évolué. Donc en 2008 et 2011, la première fois en 2008, la convention a été présentée, votée à l'unanimité, sans aucun commentaire de vos collègues, allant de Mme Tréciosi, M. Bourca, Mme Boyer, on sait même, ne venait jamais, elle est venue 3 fois en 6 ans, et l'ensemble des élus présents ont voté. Participer à ce vote favorable. En 2011, bis repetita, l'ensemble des élus
vote à l'unanimité pour reconduire cette convention d'objectifs. Vous estimez que celle pour laquelle nous avons voté il y a quelques mois était le copier-coller, je crois que c'est ce que vous avez écrit. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous avons apporté quelques modifications significatives, dont notamment la gratuité pour les adhérents d'accéder pour utiliser les installations qui se trouvent dans ce gymnase, le gymnase Susini, pour ne pas le nommer. Donc il y a un véritable changement, il y a un partenariat entre cette association et la mairie de Saint-Cœur, dont nous nous félicitons. Vous évoquez une meilleure transparence. Il ne faut pas confondre transparence et finalement, c'est tellement transparent en ce qui vous concerne, parce que pour monter au cocotier, monsieur Hérodot, il faut avoir le caleçon propre. Et le vote est terriblement chargé. Je veux lui-même, je parle du caleçon politique, bien sûr. C'est lui-même, avec le nouvel homme, la tâche cachée dans le nœud du torchon, pour les amoureux de Coluche, eh bien, ça va quand même être difficile de nettoyer parce que. Vous me laisserez terminer. Vous le permettez à chaque fois, monsieur le maire. Et vous êtes permis, monsieur Hérodot, de jeter la suspicion, voire l'opprobre sur une association en nommant sa présidente et en salissant leur réputation. Vous estimez donc que l'organisation qui est celle de cette association et l'activité se déroule au gymnase Susini et matière et à interrogation ou à contestation. Si vous partez de ce principe, si vous partez de ce cas, monsieur Hérodot, il faut vous interroger sur les autres associations. Ou, par exemple, celle que l'on peut trouver au gymnase, comment s'appelle-t-il déjà Artaud. Au gymnase Artaud, qui est géré par la mairie centrale, je crois, au gymnase Artaud, dans lequel nous retrouvons la même configuration, et je dirais même que là, il y a deux agents municipaux. Je ne vais pas ici détailler la situation du gymnase Artaud, mais je vous invite à vous pencher sur ce cas. Comme je vous invite, par exemple, à vous pencher sur le cas du président du club d'Herbel, qui en même temps, je crois, a la responsabilité de la conciergerie du club des Cailloles. Il n'est pas président pour votre formation. Qui a en même temps la responsabilité de la conciergerie des Cailloles et les mauvaises langues ou les gens bien informés nous font savoir que l'épouse de ce monsieur, qui n'est absolument pas employée à la ville, qui n'a aucune responsabilité, c'est plutôt elle qui tiendrait la boutique de la conciergerie. Si vous voulez d'autres exemples, monsieur Hérodot, je peux vous en présenter. Cette association. Je pourrais vous demander aussi pour quelle raison le stade de Château-Gombert n'est pas utilisé le dimanche matin. Voilà quelque chose de curieux quand même dans un secteur, dans un quartier Mais je ne m'abaisserai pas, je ne le ferai pas comme vous, je ne tomberai pas dans le caniveau. Alors moi je souhaite
continuer. Et si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas convaincu par la pertinence ou par ce que je suis en train de vous expliquer, à savoir que cette convention respecte parfaitement les règles, que ce qui s'y passe est non seulement en règle, mais produit des effets ou des résultats plutôt extrêmement positifs. Vous pouvez aller demander, si je n'arrive pas à vous convaincre, à Madame Lamar, à Monsieur Sanoun, à Monsieur Abidi, champion de K1. J'ai découvert ce qu'on appelle K1. C'est assez impressionnant. Vous pouvez aller demander à Monsieur Monrose, champion d'Europe, Madame Lamar, champion du monde, Monsieur Sanoun, champion du monde, tous sortis de cette formation et de ce gymnase de Susini. Voilà des résultats extrêmement positifs. Si vous pensez qu'il y a matière à contestation, allez leur demander directement par eux. S'ils se sentent complices d'un détournement ou en tout cas de pratiques condamnables, je suis sûr qu'ils auront des arguments percutants pour vous convaincre que vous êtes dans la diffamation quasiment. Alors je me demande pourquoi vous agissez ainsi. Dans ce gymnase, il y a... C'est une vitrine extrêmement positive pour nos quartiers et pour nos arrondissements au vu des résultats qui sont obtenus. Quelle mouche pique pour vouloir ainsi dénigrer le travail et de ceux qui le produisent, si ce n'est peut-être pour récupérer, pour recentraliser le gymnase, parce que il se murmure quand même qu'il y a une petite pointe de jalousie. Vous subventionnez, vous demandiez, je vous rappelle quand même, point important, j'aurais peut-être dû commencer par là, que la mairie de secteur ne subventionne rien. Nous n'en avons pas le droit, vous devriez le savoir. Et le challenge boxing n'a jamais reçu aucune subvention de la ville. Si vous avez peur pour les deniers publics, ce que je comprends, sachez que le challenge boxing n'a jamais reçu 1 euro de la ville, et même bien sûr de la mairie de secteur. Il y a des partenariats. Comme Monsieur l'adjoint peut en faire avec les clubs de boxe à Valier, par exemple, d'autres manifestations, ce qui est tout à fait louable. Mais peut-être que les résultats obtenus là-bas ne sont pas aussi bons que ceux obtenus ici, et que vous voulez récupérer eh bien, quelque chose qui brille, pas briller à la Sarkozy, qui brille par ses résultats, qui brille par les champions France, d'Europe et du monde, sortis de nos quartiers. Et ça, qui a dit ça? Qui a dit ça? Je parle de l'association que nous soutenons, que j'ai rappelé, M. Marie, vous l'avez dû l'entendre, que c'était à l'initiative de mon prédécesseur. Moi, je ne m'attribue pas les lauriers quand ils ne sont pas les miens, mais j'encourage, je confirme, et nous avons confirmé, et nous avons soutenu encore cette année la réunion de boxe qui aura lieu dans notre mairie de secteur le 4 juillet. Monsieur Hérodeau, je vous invite à participer à cette soirée de boxe. Les boxeurs du gymnase de Susini seront très heureux de vous voir, je suis convaincu. Ils seront très heureux de vous voir. Vous pourrez leur expliquer quelles sont les raisons qui vous poussent à critiquer le travail qui y est réalisé. Alors je me demande pour quelles raisons, si ce n'est pour récupérer en vue de la capitale européenne de l'enfumage sportif, en vue de la capitale européenne de l'enfumage sportif, ce qui brille encore dans cette ville hors vieux port. Hein. On a bien compris que cette capitale européenne des sports est une escroquerie et qui repose essentiellement sur ce qui ne coûte rien, c'est-à-dire la mer et le vent. Pas besoin de lancer un marché pour ça. La mer Méditerranée ne s'est pas encore retirée, elle est là. Le vent souffle de temps en temps. On avait compris que pour nos quartiers, il y aurait Wallou. Et quand il y a quelque chose qui brille, vous voulez vous le récupérer. Eh bien, sachez que le maire de secteur ici, c'est moi. Et que ça évidemment, ça nous fait mal à la honte. Mais c'est comme ça. Alors, vous voulez m'envoyer au Sénat direct ?
C'est le surnom qu'il choisissait. Vous allez abandonner votre mandat de sénateur, c'est un scoop alors. Mais ça, il n'y a pas de scoop, mais je ne crois pas que ce soit la priorité de nos habitants, du secteur, de savoir ce que m'a appelé. Moi, je suis très intéressé par savoir ce que l'on va faire dans le quartier pour les créneaux horaires des gymnases et des stades, parce que l'on nous confie la gestion des stades et de certains gymnases, mais pour passer le balai. On va mettre un coup de peinture pour faire le boulot d'entretien que nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres, mais la partie, j'allais dire noble, ce n'est pas infamant que de faire le ménage, bien sûr. Mais la partie noble, eh bien, la mairie centrale se la garde, vous le savez, M. Marie. Les créneaux sont accordés, vous qui parliez de transparence, alors là, pour nous, c'est transparent. C'est tellement transparent qu'on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Tout est confié aux fédérations dans une opacité. Tout est confié à des associations, mais dont nous n'avons aucune coordonnée. Nous ne savons pas d'où elles viennent. Oui, il vaut mieux. Voilà, on voit qu'il y a le mérite de certains francs. Nous avons compris, monsieur Miron, que vous faisiez ce que vous voulez. Chaque conseil d'arrondissement, vous nous faites le numéro. Que vous faites ce que vous voulez. Et moi, je vous encourage à continuer à le faire. Parce qu'au plus on vous connaît, au moins on a envie de vous connaître. Les résultats électoraux, puisque vous avez perdu, il a suffi qu'on vous connaisse. Vous avez un petit peu plus pendant un an et vous avez déjà perdu 10 points. Voilà, donc encore quelques mois, et vous ne serez pas remboursé de vos dépenses électorales. Donc la transparence, monsieur Hermano, et l'opacité ne sont pas du côté que vous dénoncez, de niveau, elles sont plutôt de votre bord. Et j'interpellerai bien sûr le maire de Marseille sur ce sujet. Alors, je n'ai pas évoqué, et j'en terminerai là quand même, le cas Fischetti. Ce n'est pas sous les fenêtres de la mairie de secteur qu'un agent du service des sports a rencontré 5 balles. Avec un casier judiciaire extrêmement lourd. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des agents de la ville qui sont pour beaucoup à l'œuvre dans des conditions extrêmement difficiles. Mais là, quand même, nous avons un cas pour le moins curieux qui aurait dû vous alerter. Non, ça ne vous a pas chagriné. Alors, encore une fois, je suis très fier de ce que fait cette association Charles Roxy. Nous continuerons à les soutenir. Quand on a une pépinière, un champion comme ça, eh bien, encore une fois, on la soutient, on l'encourage, on ne la dénigre pas, monsieur Renaud. Voilà, je vous invite encore une fois à aller les voir pour leur demander des comptes. Moi, je vous en rends tous les jours. Sur ces paroles chaudement républicaines, on peut passer à autre chose. Voilà, si vous laissez que de votre propre d'insulter, critiquer, moquer, railler, parce que personne ne va vous demander ne serait-ce qu'une petite information. Je vous ai répondu. Pardon. Je vous ai répondu que la convention n'était pas la même, que désormais les adhérents obtiendraient la gratuité, qu'en échange la mairie de secteur avait un partenariat et qui se passait dans la plus grande transparence, que la mairie de secteur ne subventionnait pas, que Challenge Boxing ne recevait aucun euro de la mairie de Marseille. Si ça, ce ne sont pas des réponses, et que la distinction entre époux est plutôt le bienvenu, ce qui n'est pas le cas, manifestement, dans d'autres gymnases, et sur lesquels, je suis sûr, vous le répondrez au prochain conseil d'arrondissement, sans parler des autres cas. J'ai d'autres biscuits sous le coude. Mais je me tire déjà pas sur une ambulance et je ne vais pas tirer sur un corbillard. Est-ce que l'on peut passer, après 40 minutes, au premier rapport, sachant qu'il y en a 49. On va essayer de la limite. Vous ne tenez pas vous. Rapport 1535, monsieur Azar. Monsieur Saint-Pierre, Michel.
seulement par la ville de Marseille, mais une mention à une association pour réaliser le premier travaux et l'édition de matériel. Il s'agit de la première partition du bouquin. Alors, sur un montant total de 27 960 euros, l'ensemble des associations, cette association qui a besoin de ça, est proposé d'attribuer une aide financière de 2 000 euros à l'association Internet Jeunes, 81 chemin de la Bastille, dans le 16e, dans le cadre de son renouvellement, de la Litry Chalet de Rennes. Alors, donc, la chemin de l'envie, parce que cette association, dans les directeurs municipales, j'ai peu d'informations par rapport à un parallèle dans le fichier, au niveau de l'initiative de l'association. Donc, c'est pas que. Juste un micro. On attend même. J'en commence tout ? C'est bon. Alors, pour cette association, j'ai conscience que la mairie centrale n'arrive pas à un membre fichier. Le membre fichier cité des associations, je vous laisse la bonne éducation, hein, mais les cas n'apparaissent pas. Sur Google, j'ai pas fait grand chose non plus. Ensuite, je me suis rendu sur place que là non plus. Voilà, donc c'est comme ça, les comptes sont serrés en main, le mois de semestre sera fait de droit. Eh bien, nous allons utiliser la jurisprudence des Rodeaux, en étant prudents. Nous nous inquiétons des deniers publics qui sont de plus en plus rares et de plus en plus précieux. C'est pas le café du commerce en plus. Hein. Monsieur, si vous voulez l'autorité ici, c'est moi. Mais observez au bout d'abord le silence et l'écoute. Donc nous allons être prudents. Monsieur Erzala, qui est un homme de terrain, nous le savons, est soucieux des données publiques, s'est rendu au 81 chemin de la Bastille, ça, et il n'y a rien trouvé. Il a téléphoné à la mairie centrale qui n'en sait pas plus. Nous a répondu qu'elle ne connaissait pas cette association, mais c'est pas parce qu'elle ne la connaît pas qu'elle ne va pas la subventionner. Un poème. Donc, écoutez, dans le doute, comme on ne peut pas se contenter de s'abstenir, en ce qui concerne notre groupe, en tout cas, nous voterons contre. Mais peut-être que d'ici lundi, date du conseil municipal, cette association sortira du bois. Et parce qu'il n'y a rien sur Internet non plus. Vous pourriez au moins avoir une façade, mais même pas. Alors nous allons être prudents. Et en ce qui nous concerne, voter contre, y a-t-il des observations ? Juste une observation, si vous permettez. Je ne sais pas à qui a été où. Les hommes de terrain, je ne sais pas certainement beaucoup dans votre groupe. En tout cas, nous sommes à minima à trois. C'est Mme Mac. Ce jour-là, à être allé voir cette association, il y a au moins deux mois, il fait un certain nombre de choses avec les jeunes. C'est un ancien curé du quartier qui le fait. Peut-être que la boîte aux lettres n'était pas au bon endroit. Peut-être que la personne que vous avez envoyée n'est pas allée au bout du chemin. Parce qu'il y a un chemin, il faut aller au bout. Mais nous, si vous l'avez découvert il y a un an. J'ai découvert ce que je pouvais. Nous, on l'a découvert. Nous, on l'a découvert. Vous, apparemment, vous ne savez pas que c'est le chemin. Et vous êtes maire. Pas à moi. Et vous êtes maire de cette. Pas à moi. Moi, je fais confiance à M. Erzala, parce qu'il connaît très bien le secteur, aussi bien que vous, largement mieux que vous, pour y habiter. Lui, pour y habiter, lui. Donc, en ce qui concerne votre rencontre, je vais donc ce rapport au droit, qui est pour adopter le manifeste en levant la main. Sur ce coup-là, on fait confiance à M. Erzala. C'est moi, je comprends ça. Rapport est donc rejeté. Rapport 1536, monsieur Zala. Ne se décline pas, mais se décline par des actes de structure qui bénéficient des moyens publics mis à disposition, non pas votre personne, en tous les cas, la construire d'un problème politique, mais plutôt en charge d'une mission de service de l'ensemble de la population. Sur cette parole, je vais maintenant
vous lire le rapport. Ce rapport a pour objet le versement et l'attribution de subventions aux équipements sociaux et aux associations partenaires. Il s'agit de la deuxième répartition de 2015. Sur un montant global, là ça fait un peu mal aux cheveux, je vous avoue, 1 708 723 euros, il est proposé d'attribuer à destination des centres au lieu d'activité du 7e secteur, qui est en 2013 pour notre gouvernement global. Ici, après, les aides financières suivantes. Le centre social Pas-de-Calais, 56 356 euros. Le centre social Frévalon, 37 778 euros. Épicec, ensemble de l'innovation sociale, Bac-Plan, 37 778 euros. CCO, le centre social Renaud Saint-Jérôme de Nautile, le centre social paternel, 46 336 euros. Centre social Dagarde, 37 778 euros. Le CCO Frévalon, 15 000 euros. La Fédération des Amis de l'Instruction Laïque de Lille, 35 700 euros. Le CCE SAPA, la paternelle, 38 278 euros. J'ai bien défini, je vous rassure. Centre social Saint-Just-Coro, 51 336. Saint-Gabriel, vous connaissez bien, je crois, monsieur Marie, monsieur Joshua. 56 336. Centre social Béflamand, 47 778. Centre social d'Agora Busserie, 34 778. Et la Fédération des Amis de l'Instruction Laïque pour le Centre social Saint-Joseph, 44 778 euros. Des observations. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis désolé, j'aimerais bien vous dire que vous n'êtes pas végétarienne, vous n'avez pas de situation avec vous. Quand même, poser une question. Et cette fois-ci, je me contenterai de dire ce que vous avez marqué. Chose que vous n'avez pas faite par rapport à l'intervention de la fois, parce que les propos que vous avez pu tenir ne sont pas mentionnés dans le rapport écrit, mais c'est tout. Et monsieur le maire, visiblement, vous aussi prenez dans votre tête et vous sortez sur les dossiers, vous oubliez le livre. Il y a trois lignes sur la dernière intervention, je n'ai jamais mentionné une seule association, je n'ai jamais mentionné le nom des seuls fonctionnaires. Donc visiblement, vous n'avez pas dû le lire, et comme beaucoup de rapports. Ah, vous vous souvenez mieux que les personnes qui prennent dans les bosses, donc qui font leur contrat, je dois faire des contre le rapport, c'est visiblement il faut faire le dossier. Peut-être que. Mais c'est pas grave, monsieur le maire. Vous êtes en train de faire ce que vous me reprochez tout à l'heure, vous ne pouvez pas. Sur ce rapport, vous proposez de voter pour les subventions à trois associations et contre à six associations. Donc au motif que. Oui, la 6 association qui vous aimerait vous proposer un avis défavorable. Si, si, c'est sur la chaîne, le 15 à 6. Monsieur le maire, c'est bon. Et ça fait deux aussi, là, vous avez pas fait un peu, ça fait bon. Non, c'est le cumul des mandats, vous n'avez pas le temps de tout faire. Tout à fait, monsieur Marie. C'est la différence entre les bénévoles qui n'ont pas rémunéré à l'époque de travail à cœur, qui a bien qu'il fume les titres et les subventions et les financements. Mais bon. C'est pas compatible, monsieur le maire. Par contre, ça va pas trop travailler avec vos filles ce soir chez moi. Donc, visiblement, c'est ça. Donc, cette association vous proposait un vote de compte, au motif que cette association aurait fait de la politique. Je vous rappelle qu'à travers ces associations, c'est surtout la réalité des habitants des quartiers comme le soutien, comme CDD. Tout à l'heure, vous parliez du travail fantastique que fait le challenge boxing. Moi, je vous parlais du travail fantastique que font ces structures-là, qui aident au quotidien des jeunes et à essayer de trouver de l'emploi, à essayer de faire soutien scolaire, à essayer de s'insérer dans la société. Vous qui vous présentez comme le grand défenseur des droits de la République, vous ne pouvez pas à chaque fois systématiquement dénigrer un bassin de vie de 30 à 40 000 habitants quand même, ça fait autre chose. En ne vous rendant pas les financements qui sont apportés pour le travail. Donc, vous faites deux points de mesure en fonction de si on vous prête à l'échéance politiquement parlant ou si on ne le fait pas. Ce n'est pas une façon de faire pour les sénateurs et bien d'une continuité. Monsieur le choix, vous monsieur le maire, ce n'est pas la première fois qu'on commence ce débat, donc je ne vais pas être très long, mais j'ai effectivement moi aussi quelques questions à vous poser. Parce que. D'abord, pour bien préciser que tout le monde comprenne bien, ce qu'on nous demande de voter n'est pas ce qui nous a été présenté. Hein. Vous avez une proposition consistant, comme ça a été rappelé, consistant à approuver certaines subventions et à en refuser d'autres. Mais le
rapporteur qui a introduit le débat ne nous a pas donné d'arguments dans ce sens-là. Sauf un général, qui est la prise de position politique. Or, entre le moment où nous avons reçu la première mouture et celle que vous nous demandez de voter, il y a eu un changement qu'on ne comprend pas du tout, qui est le centre de Saint-Gabriel est passé de l'enfer, pas au purgatoire, directement au paradis. Et personne ne comprend pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Donc, première question, quels sont exactement les critères que vous utilisez pour avoir la prise de position que vous avez? C'est une information importante pour la population, pas de pétain, on parle vraiment dans nos quartiers. Hein. Donc, j'espère que j'aurai une réponse à ça, même si je n'ai pas une réponse à vous. La deuxième question, elle est plus au fond. Vous reprochez à certaines structures le fait de s'être positionné politiquement. C'est un débat. On peut en débattre pendant 1000 ans, mais je ne comprends pas, en termes de position républicaine, qu'est-ce qui vous permet de passer de ça, c'est-à-dire du fait que ça ne vous plaît pas, pas seulement parce que c'est contre vous. Vous pouvez avoir sur le principe l'idée de dire qu'ils n'ont pas à prendre position politique, expliquer aux populations qu'ils n'ont pas à le faire, ça vous avez le droit. Mais en tant qu'instance, en tant qu'institution, le fait de réprimer des institutions parce qu'elles ne vous plaisent pas sur les prises de position qu'elles ont, écoutez, ça, c'est quand même hors des clous. Alors, la dernière question que je vous pose, monsieur le maire, c'est plutôt pour bien faire comprendre la question. Prenons en sens inverse. Demain, vous êtes maire de Marseille, supposons. Est-ce que vous pensez que mon quartier vivront mieux sans l'Agora qu'avec l'Agora? C'est ça votre position? Est-ce que vous nous avez donné un bilan concret, comme mon collègue vient de vous le rappeler, des activités effectives de ces structures? Vous pensez qu'on vivra mieux sans elles? Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le maire, c'est pas faux. Même vous ne pouvez pas dire ça. Donc, si vous pensez qu'elles sont utiles, passez par-dessus la politique aïeulie et dites, moi, en tant que responsable, l'élection est terminée. Désormais, en tant que maire de secteur, ce qui compte, c'est les populations. Elles ont besoin de ces centres et je les soutiens. Et le premier soutien, c'est de voter les subventions. Bien, donc c'était là, c'est un petit peu la même intervention. Encore une fois, mon seul critère pour soutenir ou pas les subventions qui sont accordées à ces centres, c'est la neutralité. C'est tout ce que je demande, une neutralité politique. Pas de discours politique. Ce sont des centres sociaux qui doivent œuvrer dans l'intérêt de tous, sans aucune discrimination, et ni même politique. Or, au lendemain de l'élection démocratique exprimée par le peuple du 13-14 souverain, certains centres sociaux se sont vus obligés de sortir de leur neutralité pour adopter et faire connaître publiquement une approche, une conception politique. Je leur demande de revenir à leur démarche initiale. C'est tout ce que je leur demande. Je ne leur demande pas de me dérouler le tapis rouge. Je leur demande de continuer ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire d'œuvrer dans l'intérêt général et de ne pas utiliser quelque part leurs adhérents, les populations qui fréquentent ces centres, comme continuer à les accueillir comme des habitants et pas comme des militants. Quand le centre social tient un discours politique, évidemment, ils ne se sont pas contentés que d'envoyer un mail ou un fax. Le discours se développe, s'affiche même dans les centres. Et ça, je ne peux pas le cautionner. Mais vous m'accusez de beaucoup de choses, encore masochiste. Qu'ils reviennent à une conception de neutralité de leur action, et c'est tout ce que je demande. Moi, j'ai rencontré le centre de Saint-Gabriel quelques jours, avec qui engager un dialogue, c'est ce que je leur ai dit, pas mettre la photo du maire à centre social, continuez ce que vous avez toujours fait et cessez les discours politiques, ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ni oui ni non,
Ni oui, ni non, ils m'ont expliqué que, au vu de ce que j'avais pu déclarer, ou ce qu'ils ont cru entendre de ma bouche pendant la campagne électorale, eh bien, ils s'étaient cru obligés de m'attaquer politiquement. Donc, je leur ai expliqué. Nous nous sommes quittés sur un bilan positif, je dirais, plein de confiance en ce qui me concerne. Or, pas plus tard qu'hier, messieurs, monsieur Herzala et Géorgie et madame Lelouis se sont rendus à l'Abusserie, le centre culturel de l'Abusserie, pour assister à une représentation théâtrale, je crois, en tout cas culturelle, et organisée par le centre social. Ils ont été chassés, parce qu'ils étaient élus de la majorité du 7e secteur. Ça s'appelle la discrimination, ça, je crois. C'était écrit en place, c'est ça. Voilà, ils étaient prêts à payer leur place, sans aucun problème. Mais ce n'était pas ça. On leur a répondu qu'ils n'avaient pas été invités et qu'il n'y avait plus de place. Alors qu'il y avait de la place, parce qu'on les a quand même laissé entrer dans les lieux, en tout cas la personne qui assurait la sécurité. Et ce sont les responsables de l'association, du centre social, qui sont arrivés avec un vivre ensemble pour le moins curieux. Un vivre ensemble très loin. Donc ils ont été obligés de partir pour ne pas que la situation s'envenime. Des élus, à moins que ce soit des demi-élus. Et alors, on n'a pas le droit d'y assister. Ils ont été déconduits, alors que ma foi, c'est un centre qui est en subvention, sans la mise en de peine à laquelle la mairie du secteur apporte ses deniers, par courtoisie républicaine, par politesse. Il aurait convenu quand même que ces élus, ces habitants, puissent assister à cette représentation. Ils ont été chassés. Je sais que vous ne croyez que ce que vous faites, vous, et que lorsque vous rapportez, vous ne croyez pas. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. Donc moi, je suis parti plein de confiance à l'issue de cette réunion. Eh bien, il aura fallu moins d'une semaine pour que le naturel revienne au galop. C'est pitoyable, c'est dommage. Parce que nous, nous sommes dans une volonté de travailler avec toutes les bonnes volontés, mais il y a des volontés qui sont plus politiciennes que d'autres. Et ça n'est pas possible. Voilà, vous l'avez dit, monsieur Josselin, en fait, c'est toujours le même débat. La politique, c'est l'art de se répéter, mais quand même, c'est parce qu'il y a, de la part de certains centres sociaux, des discours politiques que je ne peux soutenir. Et je le manifeste comme je le peux. Nous mettons sur le rapport au bois. C'est pas joli. Je ne leur coupe pas les livres, vous savez très bien que des républicains autoproclamés jusqu'au front de gauche, lundi, se dégagera une large majorité au conseil municipal pour accorder des subventions, vous savez très bien. Donc, encore une fois, qu'ils cessent tout discours politique et je ne regarderai pas plus loin, c'est pas tout. Nous pouvons passer au vote qui est pour le manifeste en levant la main. Nous sommes pour le rapport municipal, contre le rapport. Mais ça, c'est le rapport qui est présenté sur le rapport. On parle justement, comme un rapport mascarade, on participe au vote. Monsieur Marie, vous a donné la consigne. Vous la suivez ? Eh oui, puisque les rapports. Vous suivez le Parti Socialiste, c'est pas la première fois, monsieur Jordan. C'est pas la première fois que vous accrochez à la petite loco socialiste. Alors, ce rapport est adopté, tel qu'il est présenté. Vous n'avez pas terminé le vote, monsieur. Vous n'avez pas terminé le vote. Alors, qui est pour le manifeste dans la main pour cet effet. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est les seuls votes que je connaisse. On part par vote? Non, participation vote. Voilà. Ça sera enregistré comme contraire. Pareil pour le groupe EDF, MPR, UNP, Marseille, et Marseille. Oui, ça sont des étiquettes.
Ensuite, allez, il n'y a pas de mal à se faire des clients. Alors, rapport suivant, 15, 38, 16, j'ai entendu. Le troisième sur 49. Hein. Alors, par rapport 15, 37, en décembre 2014, le Conseil avait pris une première tranche de travaux pour la réfection d'une partie de clôture d'enceinte de Vétuste des trois groupes scolaires et des sièges situés sur le Rabot dans le 14e. Après terminer l'ensemble des trois sites, ce rapport propose d'approuver une deuxième et dernière tranche. L'affectation de l'autorisation de programme s'élève à 100 000 euros. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Demande d'intervention. Non, je ne serai pas au vote qui est pour, manifestement, dans la main. Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, 15-38. Oh, attends, je vais vous en faire. Alors, rapport 15-38, la classe de grande section de l'école maternelle Frémont-Lombard dans le 13e arrondissement se trouve depuis trop longtemps dans un état critiqué vétuste, ce qui ne répond pas aux normes d'hygiène et de sécurité pour les enfants, les enseignants et le personnel de l'école. Ce rapport propose d'approuver la reconstruction de cette classe et l'affectation de l'autorisation de programme en hauteur de 320 000 euros pour les études et les travaux. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Intervention. Monsieur Joshua, monsieur le maire, ça sera rapide, bien sûr je suis favorable à ça, mais j'en profite pour vous poser une question qui m'a été suggérée par un certain nombre de conseils de parents sur votre politique. De représentation de la mairie dans ces conseils. Donc, je vous ai fixé simplement ma lanterne et quelle est la règle et quelle est la loi. Vous nous avez donné une liste de personnes qui représentent la mairie de secteur dans les conseils d'établissement. Cette liste dépend que de vous, si j'ai bien compris. Voilà. Et il s'avère que ce n'est pas ces personnes qui viennent. Voilà. Et deuxièmement, quand ce n'est pas ces personnes qui viennent, des fois, il y en a deux. Alors, peut-être que vous n'avez pas faire ça, je ne sais pas. Et je quand on lève, on ne compte pas. C'est la quête bien, pardon. Quand on lève, on ne compte pas. Donc, si vous voulez m'éclaircir sur vos choix, si ça dépend de vous, éclaircissez-moi sur vos choix. Est-ce que c'est variable? Est-ce qu'on peut vraiment mener une politique en modifiant la personne qui regarde ça au congrès de je ne sais pas quoi? Ou si ce n'est pas le cas? Mais si ce n'est pas une question qui vous intéresse, à l'école, monsieur le maire, vous ne me répondez pas. D'accord. Madame Ponceral. Pendant plusieurs années dans le conseil d'école de Frémalon, je tiens à signaler que j'ai plusieurs rapports à la conseil d'école de Marseille, dont on a rendu des comptes, et je suis très content qu'on mette en point quelques bureaux sur cette école. Alors, hors le fait qu'elle est dans un enseignement, elle est dans un brigade. Elle est dans un état de vétusté et de dégradation totale. D'accord, dans les petits pour la sieste, il y a un répertoire qui utilise pour faire la sieste publique trop petit, donc on est obligé de renvoyer des élèves. Les matelas, on se trouve les grottes de cafards. Or, je vous signale les grottes de cafards qui s'enlèvent au dernier degré. Non? Ils ont posé et d'ailleurs les cafards sur les. Il y a tout un éclairage, vous avez dit, les lits pour l'eau, la bouche, la lit pour l'eau, elle est rarement, c'est dégueulasse. Je vous signale qu'il y a 20 petits de siège dans les trois classes. Seuls les moyens sont à la bonne table. Les petits, ils ont des la haute et les grands, ils ont des genoux dans le ventre. Tous ces petits, les faux, ils n'ont jamais de confort. Les grands, et je suis très content d'en prendre un fils. Mais je vois que les autres, c'est un peu. Merci, Mme Foncé Ramad. Oui, effectivement, il y a des situations ubuesques comme celle que nous avons découverte. On y concluait les vitres de la salle de la bibliothèque et de la salle de projection des cours élémentaires. La classe Clis était percée de balles de Kalachnikov. Vous l'avez déjà dit ça. Mais
Il faut le répéter, il faut répéter. Non, mais je disais, si besoin était que de vous rappeler que nous, que cette mairie de secteur œuvre dans l'intérêt général et pour toutes les écoles, M. Joshua, c'est une question prioritaire, bien sûr, y compris surtout pour cette mairie de secteur. Donc, Mme D'Angio est à pied d'œuvre pour que les conditions d'apprentissage, d'instruction soient, je dirais même pas optimales, mais au moins au minimum, que les vitres des classes glissent, puissent ne pas être percées de balles de Kalachnikov. Ça faisait au moins 2 ans qu'elles étaient ainsi. 2 ans que les gamins devaient porter des bonnets, des écharpes l'hiver pour aller à la bibliothèque ou en salle de projection. Voilà dans quelle situation sont certaines écoles, qu'on vient de le rappeler, Mme Bonserrat, les écoles de la deuxième ville de France. Ça, c'est la réalité derrière la façade maritime du Mucem, du Vieux-Port, Notre-Dame-de-la-Garde et des flonflons. Il y a la réalité sur 240 km² de quotidien, dont celle-là qui est rocambolesque, pitoyable et inacceptable. Donc, j'ai même interpellé le maire de Marseille au conseil municipal sur cette école des Micocouliers, il n'a pas pour autant, il n'a pas pu se bouger. Hein. C'est parce que il a fallu le faire à l'amitié marseillaise. Voilà, parce que au téléphone au service, parce qu'on travaille, parce qu'on travaille en bonne intelligence, et on a pu décoincer la situation et que les fonctionnaires, eux, eh bien, eux d'abord sont très conscients de ce qu'il faut réaliser, parce que leurs enfants vont dans les écoles. Peut-être pas ceux des élus, mais pas dans celle de l'école. Oui, c'est une priorité que devrait, Mme Conseil-Ramat, de faire confiance à Mme D'Angio pour faire le maximum pour que la situation s'améliore à Frévalon et ailleurs. Et c'est ce qu'elle a déjà fait, et quant à la participation, à la présence de la mairie de secteur au conseil d'école. Eh bien, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais les élus de la majorité se mobilisent tous pour assister, participer, entendre, écouter les doléances de ces écoles, et quelquefois, eh bien, ceux prévus ne peuvent pas s'y rendre pour une raison X ou Y, et comme nous tenons à y participer, eh bien, nous envoyons un élu pour remplacer tout, c'est que la mairie secteur soit présente. C'est là l'intérêt. Si vous en faites une question de personne, c'est quand même dommage. Je sais que l'on a encore pointé du doigt à la Busserine, qu'il y avait là deux élus de la mairie de secteur et un parent d'élève s'étant exprimé en disant un élu Front National, c'est déjà beaucoup. Ce sont des élus de la mairie de secteur, de la majorité qui se déplacent. Je sais que vous avez du mal à l'accepter ou à le croire, mais nous souhaitons qu'à la Busserine comme ailleurs, collecter, entendre les besoins pour les transmettre à Mme Casanova et au maire de Marseille. Soyez-en convaincus, M. Joshua. Alors, là, ils sont allés à deux, parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie, et tout de suite, certaines personnes se sont braquées et ont eu. Ils sont sortis, encore une fois, de la neutralité pour avoir des discours, une remarque politique. Les élus ne s'y sont pas arrêtés et ont participé à cette réunion. Voilà, et nous assistons à 90-95% de ces conseils d'école. Cela change, encore une fois, par rapport à la dernière mandature. C'est ce que nous disent les directeurs et les directrices. Qui êtes-vous, la mairie de secteur? Ah bon, parce qu'avant, elle ne venait jamais. Voilà. C'est vrai que ça les change, ça les perturbe. Mais nous, on fait le job. Nous faisons le job dans toutes les écoles. Vous n'êtes pas vous, les ça. Alors, interrogez les écoles. Allez les interroger. Nous faisons le job pour toutes les écoles. Lorsqu'on ne barre pas la route, par un rideau de fer. Par un rideau de fer, un petit noyau de militants politiques qui nous empêchent, la mairie de secteur de pouvoir aller à la rencontre des écoles et des habitants en particulier. C'est une vidéo qu'on a fait, M. le maire, et on a réécrit ça 2 fois. Mais
Je vous l'ai dit, la politique, c'est l'art de se répéter. Eh bien, je répéterai pendant 6 ans, et si Dieu veut, 6 ans de plus. Bah, 6 ans, 2 ans. Pendant 5 ans, et pendant. Pendant 5 ans, vous voyez, je trahis déjà peut-être une réflexion que j'ai déjà. Mûrie. Et puis 6 ans de plus, peut-être, si Dieu veut. La démocratie, Dieu a un an, ça s'appelle les électeurs. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour la manifeste en levant la main. Générique central ne veut pas aider les médecins. Allez, à l'unanimité, merci. Rapport suivant, Mme Giraud, le 1539. Alors, rapport 1539, dans le cadre de la construction du groupe solaire Miabou. Excusez-moi, j'ai oublié de parler. Dans le cadre de la construction du groupe scolaire Mirabilis, tant attendu pardon, dans la salle de Sainte-Marthe, ce rapport a pour objet l'approbation des études d'avant, projet définitif remis par le maître d'œuvre, ainsi que l'autorisation d'affectation du programme 2015 pour les travaux d'un montant de 10 900 000 euros. Il convient dans ce rapport également d'approuver l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre, qui sent que le coût exceptionnel des travaux à 8 90 000 euros en taxes, le forfait de rémunération du maître d'œuvre à 961 900 euros en taxes, et la mission de maîtrise d'œuvre comportant la mission optionnelle professée pour un montant de 121 350 euros en taxes, portant ainsi le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre à 1 083 251 euros en taxes. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au droit. Mme Giraud, y a-t-il des interventions ? Non, je donne ce rapport au droit qui est pour le manifeste en temps. Merci. 15-40, Mme Giraud. Alors, rapport 15-40, afin d'assurer une meilleure organisation administrative et pédagogique, ce rapport propose au groupement des écoles élémentaires Saint-Gabriel 1 et Saint-Gabriel 2 dans le 14e arrondissement. Adopté au conseil d'école extraordinaire du 15 janvier, et à la demande des représentants de la direction des services de l'éducation nationale et de Chambonne, il convient donc de le soumettre à ce conseil. L'école Saint-Gabriel située au 22 boulevard Cramer comportera 14 classes dès la rentrée 2015. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au droit. Grandiose, c'est ce que je fais. Qui est pour la manifeste en la main ? Merci, l'unanimité. Rapport suivant, Mme Giraud, 1541. Rapport 1541. Comme vous le savez sans doute, le nouveau projet expérimental proposé par le conseil municipal a été validé par le recteur. La semaine scolaire à la rentrée 2015 devait être la suivante. Les écoles du 13e arrondissement ont été appelées le jeudi après-midi et les écoles du 14e arrondissement ont été appelées le mardi après-midi. Ce rapport demande l'approbation du règlement des accueils périscolaires et des dispositions relatives à chaque accueil périscolaire, à savoir les garderies du matin et du soir, l'accueil périscolaire de la pause méridienne de 11h30 à 13h30, les 3h de TAP le mardi et le jeudi, ainsi que les études surveillées et l'accueil du mercredi midi, basé sur du volontariat. Ce règlement évoque que la ville de Marseille place l'éducation au premier rang de ses priorités en organisant des accueils périscolaires dans l'intérêt de l'enfant et en s'énonçant de réduire l'impact sur l'organisation des familles. Permettez-moi de vous identifier. Ce rapport, certes important car il expose le cadre au règlement nécessaire au bon fonctionnement des différents temps périscolaires, n'aborde en aucun cas certains points nécessaires pour rassurer les familles. Effectivement, les familles marseillaises restent en inquiétude de revivre la même rentrée que celle de l'année dernière. Elles n'ont aucune garantie sur le type d'activité proposé, sur le taux d'encadrement, sur les grèves, grèves d'ailleurs ont recommencé aujourd'hui. Elles n'ont pas non plus la certitude que les différents temps périscolaires, notamment les TAP, fonctionneront bien dès le premier jour de la rentrée. Bien que le flyer dont celui-ci ait été distribué depuis lundi dans les écoles, ce formulaire n'apporte guère de renseignements aux familles.
règlement digne de ce nom devrait prévoir, pardon, une gratuité pérenne. La ville de Marseille devrait être capable de dégager des ressources afin d'éviter aux familles un nouveau prélèvement. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au soir. Monsieur Marie. Je travaille avec Mignon, comme vous dites, c'est une équipe, je travaille avec ça. Et ce maire, donc je vais simplement citer le seul point positif de ce rapport, c'est qu'enfin, après deux ans de proposition faite par la commission socialiste, le conseil municipal et la mairie de Passe-14, on va découpler les TAP entre les arrondissements. Donc nous avons déjà expliqué qu'il était matériellement impossible de recruter 3000 éducateurs sur l'ensemble de la ville. Il fallait découper les TAP et les synchroniser par arrondissement. Ça a été fait, donc contact. Dommage qu'il ait fallu attendre deux ans pour s'en rendre compte. Sur un autre point sur lequel je vais faire un commentaire, c'est sur l'accueil du matin et l'accueil du soir. Donc vous avez vu, Mme Blanchot n'a pas vu, je suis sûr qu'elle avait attentivement le règlement intérieur, une décision particulière de l'accueil du matin et du soir. Je lis l'article, c'est ça, hein. L'inscription au garderie du matin et du soir est possible sous condition de travail des deux parents, attestation de travail obligatoire. Donc je trouve cette clause scandaleuse. Cela veut dire que lorsqu'on est chômeur, et d'autant plus quand on est chômeur, qu'on est quand on a des faibles ressources, qu'on est dans une famille monoparentale, on n'a pas le droit de laisser ses enfants à l'accueil du matin ou à l'accueil du soir, ça l'a embêté de chercher du travail. Donc c'est cette raison, le socialiste, à la fronte, bien sûr. Et en conseil municipal. Deux mots également sur le PEDT, qui a été évoqué la dernière fois. Donc ce PEDT, j'ai été vraiment surpris en lisant les banalités affligeantes qui étaient indiquées. Je ne comprends pas que ni l'adjoint à la culture, ni l'adjoint au sport n'étaient associés à ce PEDT, comme ça se fait dans toutes les villes de France. Je ne comprends pas que le conservatoire de Marseille ne soit pas associé à ces DAP. Aujourd'hui, il semblerait que seules deux fédérations d'éducation populaire, l'IFAP et les AUL, répondent aux appels d'offres. Et encore, les résultats seront communiqués le 3 juillet, donc tout le monde sera en vacances. Les fédérations d'éducation populaire devront recruter dans l'urgence des éducateurs. Donc, point positif, les éducateurs vont pouvoir avoir plus de temps en horaire, donc ça sera plus facile de les recruter. Les recruter en qualité, à la va-vite. À la rentrée, on n'a pas l'assurance que les thérapies vont commencer. Donc, c'est ça, ça encore une fois, un peu la maturité. Donc, maintenant, M. le maire, vous savez que vous avez souvent, votre adjoint qui est une adjointe de terrain, à l'écoute de toutes les écoles, je voudrais savoir si vous avez pris des initiatives également pour fédérer le tissu associatif culturel, sportif. Est-ce que vous les avez incités à répondre aux appels d'offres? Est-ce que vous les avez réunis? Je ne vais pas poser l'intention, je pose simplement la question. Est-ce que vous avez agi ou vous êtes dans la partie? Vous m'avez déjà posé la question en retour de vous faire remarquer que vous. Vous m'avez déjà posé la question, vous avez déjà répondu, mais Mme D'Angio, vous pouvez répondre. Monsieur, on a effectivement, comme on l'a déjà dit, sollicité les associations pour qu'elles interviennent sur les différents temps d'activité de l'escolaire. Le problème que tout le monde rencontre aujourd'hui, c'est qu'un grand nombre d'associations n'ont pas encore reçu le paiement qui leur revenait et donc du coup ne veulent pas se repositionner sur certaines écoles à la rentrée. Donc on va se retrouver confronté, je pense, à une rentrée qui risque d'être aussi catastrophique que celle qu'on avait vu l'année dernière. Il n'a pas payé. Certaines associations se sont plaintes, hein, dans l'État, il y avait à bien passer sa subvention, hein. On a eu toute l'assurance. Et certaines associations ont dit ne pas avoir reçu leur subvention, alors pas toutes, puisqu'on vote encore au conseil municipal le lundi un rapport justement pour les adhérents et les subventions à l'accès des associations, mais apparemment certaines ne se repositionneront pas pour la rentrée, elles n'ont pas reçu de subvention. Bien, merci Mme D'Angio, bien sûr que nous les avons sollicités. Bon, on ne peut pas les obliger non plus, et dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, que de ne pas recevoir ce qui leur revient de droit, hein, travail, mérite, salaire, eh bien, effectivement, ça chemine vers une rentrée scolaire
2015-2016 n'est plus couleuse. Il ne tient qu'à la mairie centrale de vous faire, bon, je ne vais pas nous garantir, mais en tout cas, de vous rassurer par des actes. Je vais donc ce rapport au roi, je peux, par votre attention, qui est pour la manifeste en la main. Qui est contre, le rapport est donc rejeté. Rapport 15-42, par attention. Alors, avant 1542, la crèche de Saint-Gabriel Bon Secours dans le 14e arrondissement, que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques jours, dispose d'un agrément pour 44 enfants encadrés par un personnel de 10 personnes. Ce rapport a pour objet l'approbation de la réfection des soldes de la crèche. En effet, les soldes de cet établissement comportent pour la plupart de la merde dans la colle et dans le mariage, ainsi que dans certaines menuiseries existantes. Afin de ne pas répéter plusieurs fois ce type de travaux, il est proposé de réaliser le désamiantage total de la crèche avec la fermeture du bâtiment et la relocalisation de son activité. L'affectation d'autorisation de programme s'élève à 340 000 €. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au vote. Monsieur le préfet, prenez attention. Qui est pour le manifeste en main ? L'unité, je vous remercie. Rapport 15-42-3. Monsieur Dattilo. Rapport 15-43. Ce rapport a pour objet, dans le cadre de la construction de locaux pour l'École polytechnique universitaire de Marseille, l'augmentation de l'application d'autorisation du programme à hauteur de 130 000 €, portant le montant d'opération à 10 360 000 €. Cette augmentation a pour but de solder l'ensemble des révisions et tous les travaux. Monsieur le maire, vous pouvez mettre ce rapport. Bien, que nous allons revenir à solde de notre rapport. Qui est pour ? L'unanimité, merci. Rapport suivant, 1544. Monsieur Ali Badi. Oui. Donc, on...
le choix stratégique Carrefour du BHNS, d'un quartier minoritaire, d'une université, me semble très intéressant. Donc, la question que je venais poser à M. Miron, c'était donc, le plan de financement est de 10 millions d'euros, un plan de financement important. Est-ce que ce projet va s'inscrire dans le cadre du projet de réalité, le projet en vue du secteur de l'an passé? Est-ce que dans le plan de financement, il y a également des assurances de la nouvelle majorité départementale, puisque 10 millions d'euros, quand on sait que la ville de Marseille a laissé une année sur l'autre de 20% d'investissement, donc on peut avoir un peu des doutes sur ce calendrier de réalisation. Donc moi, je voudrais savoir s'il y a déjà des chantiers prévus, et au niveau du plan de financement, si ça s'inscrit dans la rue, et si le département participera également à ce plan de financement en milieu. Encore une fois, je me félicite que ce quartier mal passé puisse avoir une piscine. Je retournerai à la piscine où j'ai appris à nager. C'est émouvant ce que vous dites là. Il y avait jusqu'à présent un partenariat avec le conseil départemental, avec le conseil général. Et donc, je rencontre la présidente de Fredo pour évoquer un certain nombre de dossiers dans celui-là et dans un partenariat global. Sur la rue, il n'y a pas d'assurance. J'attends l'arrivée de le nouveau préfet de la politique de la ville pour évoquer avec lui cette particularité. Mais Monique Cordier qui va et moi-même siégeons à MRU et donc pour en sorte que les dossiers, je suis sûr qu'on aura appris de tout le monde ici. Et bien, j'en profite pour vous demander, monsieur Miron, on est là en piscine, on celle des micro-couliers. La rénovation a coûté près de 4 millions d'euros. En tout, il est dommage que nous n'ayons pas inclus. Pas autant. Il y a un problème de chiffre. En tout cas, il y a un problème surtout de moteur. De moteur pour ouvrir le toit. Ça fait un mois que ça dure, c'est dommage parce qu'on arrive à belle saison. Et le toit ouvrant ne s'ouvre plus. Ça doit être une question de 10 000 euros. Et à ma connaissance, la DIRCA devrait intervenir avant les vacances scolaires. Est-ce que vous êtes en mesure de nous le confirmer, M. Miron? C'est branché, vous êtes plus simple. Je rappelle, vous êtes allé promener à la piscine des micro-coulis. Oui, bien sûr. Et vous êtes inquiété du fonctionnement, pas dans un esprit constructif, mais en gros, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais critiquer? Quelle rumeur je pourrais faire circuler? D'abord, les travaux, puisque vous les avez votés, puisque vous connaissez bien vos dossiers, vous savez que c'est 1 million d'euros et non pas 4 millions. Ça, c'est le premier point. 1 million 2 exactement. Puis le deuxième point, il arrive, mais peut-être qu'à vous, ça ne vous arrive jamais, qui est des outils qui tombent en panne. Ça arrive, comme là, il y a un moteur qui est tombé en panne. Donc je crois savoir, bien que, même si ce n'est pas forcément de ma compétence, je ne suis pas ingénieur, je suis adjoint, ça vous a pas échappé, bien que les pièces ont été commandées. Les pièces, elles n'arrivent pas toutes seules en 5 minutes. C'est un appareil particulier. Et donc, si les pièces arrivent avant les dates de vacances, bien, c'est parfait. C'est tout ce qu'on souhaite, tous ensemble, c'est pour ça que c'était commandé. Vous ne pouvez pas quand même me reprocher, bien que les pièces soient là ou pas là. D'accord ? Donc moi, je vous invite à avoir, comme je le fais, regardez, beaucoup de recul sur vos propos, très souvent agressifs, très souvent mettant en cause, ce qui n'est pas forcément le cas, d'être mis en cause comme cette panne-là. Donc on vous donne toutes les informations que vous souhaitez, tranquillement, pour la piscine de Micro-Collier. Elle n'a pas coûté 4 millions, elle a coûté 1 million d'euros. Pour les dire à tout le monde. On m'a alerté en tant que maire de secteur, je m'inscris dans une démarche de proximité, et je me soucie de la piscine, dans laquelle j'ai appris à nager. C'est normal. Et qui avait été ouverte le jour de mon anniversaire. Vous vous souvenez la même forme. C'est on informe que le moteur serait en panne. C'est à côté, je m'y rends. Je
devant le responsable, est-ce qu'il est vrai que le moteur est en panne? Est-ce que depuis combien de temps ça dure? Est-ce que vous avez des informations sur l'intervention? Est-ce qu'elle est planifiée? Je ne suis pas dans une démarche partisane ou d'attaquer qui que ce soit. Je m'inquiète, c'est mon rôle. Je me dis que peut-être que cet équipement qui est centralisé, ayant déjà des difficultés, peut-être souhaitez-vous nous le décentraliser, on s'en occupera. On s'en occupera, ne vous inquiétez pas. Mais puisque vous nous rassurez, c'est la question que vous avez posée, est-ce que quelles sont la date de l'intervention, est-ce que vous pouvez nous informer, c'est tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit que vous étiez responsable de la panne. Je regarde simplement que ce moteur, qui date d'une trentaine d'années, qu'est-ce que vous m'avez dit, je ne suis pas spécialiste non plus, je ne suis pas joueur maire, je suis maire, eh bien, dommage que l'on n'ait pas prévu dans les travaux d'1 million, je vais comprendre quelque chose, pardonne-moi, de plus d'1 million d'euros, de changer ce moteur. C'est dommage qu'on y ait, que vos fins n'y aient, et que vous, M. Miron, n'y ait pas pensé. Aujourd'hui, on va le faire. C'est dommage, nous avons perdu, et nous perdons 15 jours de soleil. Mais puisque c'est fait, tant mieux. Vous voyez pourquoi Madame la sénotypiste ne note pas, n'arrive pas à noter ce que certains disent. Donc, ce que vous avez évoqué, monsieur Hérono, la fois dernière, c'est parce qu'elle bruit. Elle bruit, elle n'arrive pas à essayer de rester et d'écouter. Donc, on met ce rapport au revoir. On met ce rapport au revoir. Qui est pour le manifeste? Et en mettant son maillot de bain. Oui. Alors, je serai invité. Comme j'ai été invité, je suis. Comme vous l'avez souligné, vous êtes le 4 juin, monsieur le maire de Marseille, sénateur, oui, je sais que vous en foutez, c'est ce que vous racontez, vous êtes au point du secteur, c'est pour ça qu'en un an vous avez perdu 10 points, vous avez un caractère tellement excellent. Envoyez les gens sur les roses, que au plus on vous connaît, encore une fois, au moins on en vous connaît. Monsieur Godin, qui a que des vainqueurs aux élections, monsieur Godin, lui, qui est très attaché aux traditions républicaines, et vice-président du Sénat, s'est ému. Que vous ne respectiez pas la République, donc, et en républicain, dont vous avez plein la bouche, et bien vous, la République et les traditions républicaines en France, là, vous les avez piétinées et vous avez été désavoué par le maire de Marseille, qui ne manque pas de vous désavouer en public au conseil municipal, en vous demandant, lorsqu'il vous donne la parole, de ne pas vous énerver. Voilà. La vérité, elle est là, c'est que vous êtes 4 juin, et je vais en Marseille, il m'a invité. Voilà. Le rapport est adopté à l'unanimité, nous passons donc au rapport suivant. 15:45, monsieur le député. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de participation attribuée à HNP par la ville de Marseille pour le fonctionnement et l'entretien du parking du métro de Trévalon. Cette convention date du 27 novembre 2000 et le conseil municipal doit se prononcer chaque année sur cette participation. A noter cette année le remplacement de la liste de révision fixant les prêts d'assurance d'électricité dans le ville, entraînant une baisse de ce poste d'une centaine d'euros. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au revoir. Qui est pour le reste en loi? Vous tweeterez plus tard, monsieur Marie. Travail, parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui est. Faites une lecture du tweet du SMS pour les autres. Faites une lecture. Non, je disais que je travaille, parce que c'est professionnel. Il y a un existant trouvé, le plateau de la loi, le ministre de l'Intérieur. Travail, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous n'écoutez pas nos débats. Allez, on va voter pour finalement. Le rapport est adopté à la majorité. À la majorité, pardon. Rapport 1546, monsieur le président. Alors, rapport 1546, monsieur le président. Je peux faire deux choses en même temps. Oh, le fantôme. Ce rapport est pour objet l'attribution d'une
une subvention de 7 000 euros à l'association Agir pour le développement de l'action des stations situées sur notre secteur dans le 14e arrondissement. L'ADAI œuvre dans le champ de l'installation depuis 1993 et vient en particulier à l'aide aux personnes en recherche d'un emploi et rencontrant de surcroît des problèmes de garde pour leur enfant. C'est une association sérieuse qui fait du gros travail et vu le nombre de personnes supplémentaires, M. Marie, que votre président, M. Hollande et son gouvernement s'évertuent à envoyer chaque mois au chômage depuis plus de 3 ans, gageons que nous n'avons pas fini de subventionner ce type d'association. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre en convoi. Merci. C'est un peu mal pour payer les musiciens. Encore. C'est un peu mal pour payer les musiciens. C'est ça. La facture est représentée en 2017. Pas d'intervention. Bien. Il est vrai que monsieur Hollande imite parfaitement, avec un petit peu plus de pertinence, ce que Nicolas Sarkozy avait fait avant lui. On a annoncé ce matin dans la Provence 5 000 emplois, avec en dessous 90 000 demandeurs d'emploi. Je suis sûr que ça nous fait 5 000. Ah, je serais content, bien sûr, si 5 000, 5 000 Marseillais obtenaient un emploi sur 90 000, c'est mon début. Mais c'est ce qui est espéré entre ce qui va être obtenu et ce qui va être obtenu en matière d'emploi et obtenu en matière de chômeurs d'ici là, je crains que ça ne soit une fois de plus que l'effet d'annonce. 15-46, c'est fait, après est-ce qu'on a voté? Non, donc pardonnez-moi, le rapport est... Qui est pour le manifeste en avant la main? Pour, merci. À l'unanimité. 15-42. 15-42. Monsieur le maire, chers collègues, rapport 1547S. Nous avons approché la création de la session à M. Guy Loubet, qui est à la mairie Côte, et pour sa dernière date, ainsi que 17 chemins Notre-Dame de la Consolation, quartier de Saint-Louis dans le 13e. En effet, par vibration du 10 décembre 2014, notre conseil a approuvé la session de l'ancien lycée au canal de Marseille, de 85 mètres carrés à M. Roger P, au prix de 5 720 euros. Ce dernier ayant renoncé à ses acquisitions au profit de M. Yves Brut et sa sœur, la mère Brut, qui se porte acquéreur de la ligne parcelle. M. le maire, je vous remercie de son rapport. Merci, Sicard. Y a-t-il des interventions? Non. Je vais donc ce rapport au vote. Et pour l'unanimité, madame, vous pouvez parler, vous ne pouvez pas gêner sa conversation téléphonique. Rapport adopté à l'unanimité, donc 15.
quand les pouvoirs publics continuent à laisser une minorité de personnes détériorer ces espaces. En l'occurrence, il y a quelques mois, le groupe Lila Olivier, deux locaux ont été incendiés, une école a été vandalisée. Il faut donc procéder par ordre et commencer à restaurer l'état de droit dans ces quartiers. Monsieur le maire, je demande à mettre ce rapport au droit. Il est de mon devoir de mettre le personnel municipal à l'abri.
Et à ma connaissance, pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon. Le local du secours populaire, il n'y a pas de personnel municipal. Alors, lorsque l'on aura, et M. Giorgi l'a exprimé, lorsqu'on l'on aura rétabli l'ordre républicain dans ces cités, et lorsque l'on aura chassé le. Je dirais plutôt arrêté et condamné. Le noyau de gens qui y font régner la terreur pour pouvoir y vendre leurs produits stupéfiants en toute, j'allais dire, liberté, jour comme nuit. Vous vous souvenez, monsieur Marie, nous nous sommes rencontrés là-bas quelques jours, le dimanche matin. Et j'y suis retourné le lundi matin, parce que le lundi matin, nous avions découvert que l'école, elle aussi, avait été saccagée, en tout cas, les bureaux, le bureau du directeur. Et je suis retourné devant la maison de quartier. Et puis, nous conversions, discutions, il y a des habitants qui sont venus me voir, me parler, quand est-ce que ça va être réouvert. Et puis, le temps passait, puis à un moment donné, on m'a dit, monsieur le maire, il faut y aller. Comment ça, il faut y aller? Je ne suis pas pressé, moi. Un feu. Non, mais il faut y aller, monsieur le maire. Oui, non, mais parce que là, c'est bientôt l'heure de l'ouverture de la vente. Et on n'est plus les bienvenus. Voilà la réalité. On peut mettre des concierges, comme le souhaite monsieur Joshua. Je pense pas que ça puisse raisonner les dealers qui règnent sur les oliviers et ailleurs, et qui ne les accusent pas d'être à l'origine de cet incendie. En tout cas, nous n'avons pas entendu l'annonce de l'arrestation de ceux ou celles qui en sont à l'origine. Par contre, maintenant, vous m'attendez, j'ai laissé les familles dehors. J'ai laissé les familles et les agents à l'abri. À l'abri, parce que si aujourd'hui on en est à incendier nos centres d'animation et le local d'une association caritative qui n'a rien à voir avec la mairie, la prochaine étape c'est quoi? C'est la rafale. Alors je suis navré pour les familles qui subissent cette situation, croyez-le bien, mais peut-être pourrait-elle nous aider, pas moi, mais chacun son rôle, les forces de police, à nous débarrasser de ce cancer qu'est la drogue et ces trafiquants qui sont en train, vous le savez, je l'ai déjà dit mille fois, de mettre à bas les fondements même, non seulement de ces quartiers, mais de la ville entière. Et l'arrestation là, le quartier des Lauriers, qui a été sous le feu de l'actualité il y a quelques semaines, avec une vaste opération de police préparée pendant un an, avec une arrestation de 25 personnes, je crois, quelque chose comme ça, à la Castellane récemment, mais pour rester sur les Lauriers, eh bien, alors que le projet en rue va son plein, tout est refait à neuf, les cages d'escalier, les ascenseurs, on va ouvrir des voies. Le souci, c'est qu'il y a toujours le trafic de drogue et que les familles passent toujours le carcan, ne serait-ce que pour rentrer ou pour sortir de chez elles. Bien, il y a une vaste opération de police. Une semaine après, je crois, je recevais le commissaire de police du Quart Nord avec le commandant Ortiz du 14e et le capitaine récemment nommé du 13e. Et on m'a confié, monsieur le maire, j'évoquais cette belle opération, dit, monsieur le maire, le trafic a déjà repris. Il y a des demandeurs d'emploi là aussi. On recrute très vite, en 24 heures, c'est 24 ou 48 heures. Voilà, alors, tant qu'on ne se sera pas débarrassé de ce virus mortel qui est le trafic de drogue, eh bien, moi en tout cas, aux oliviers, bien que ça ne soit pas, les travaux ne soient pas terminés, lorsqu'ils le seront, je me demanderai s'il est vraiment opportun d'y envoyer des familles, des enfants, des mamans et des agents. Pas envie qu'on les a de surveiller, vous le saviez qu'il y avait des trafics de drogue et que ça tire pour oui et pour un non, comme hier soir, je crois encore à Cagnarousse. 17 ans, 3 balles. Ils reculent devant rien. Des adolescents, des mamans, des agents, ils s'en foutent. Vous voulez que je porte cette responsabilité? Je vous la laisse, monsieur Marie. On peut mettre son rapport au point? On va y aller. Partout ailleurs, je fais le maximum. Je suis allé à Jean Jaurès, vous le savez.
c'est encore jouable. Là où ça craint, je ne peux pas me permettre de mettre les vies en danger.